tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo des vlogs de LMB au parc Astérix. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, on est durant la saison Perso le parc. Et du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter et je vais rendre hommage à trois attractions qui vont malheureusement disparaître durant les prochaines années. Alors il y a l'attraction National 7, la foire aux citrouilles ainsi que la maison de la peur. Donc du coup je vais vous faire découvrir ces trois attractions. Allez, c'est parti. C'est que là je suis actuellement là je me dirige vers l'attraction la maison de la peur, je suis dans la file d'attente. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Alors là, je viens de sortir de l'attraction la maison de la peur. C'est vraiment sympa, franchement. Surtout, la chose que j'ai le plus adoré dans cette attraction, c'est surtout comment dire, le mec avec la tronçonneuse. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous les jeunes, il est grand temps pour moi de vous présenter l'attraction National 7 version Halloween. On y est. Alors là, comme vous pouvez le voir, là je suis sur l'attraction National 7. Voilà. C'est mon dernier tour sur cette attraction. Et, je peux vous garantir que le manège va beaucoup me manquer. Ouais. Ça va faire bizarre quand cet endroit n'existera plus.
Alors là, je suis avec le Lutétien. Salut Tessien. Très grand fan du parc Astérix. Et là, comme vous pouvez voir derrière nous, on est du côté de l'attraction National 7. C'est le dernier jour. Ouais. Et bah, moi, la question que je vais te poser, c'est quelle émotion ressens-tu sur le fait que cette attraction va fermer ses portes, telle que il y a aussi la foire aux citrouilles et la maison et la maison de la peur. Ah, National 7, c'est une des attractions emblématiques du parc Astérix, ouverte en 92. Je l'ai fait tout petit. Forcément, ça me fait quelque chose. En plus, c'est une attraction ultra familiale, parce que même un bébé peut le faire. Forcément, ça fait bizarre. Ils ont fait un petit clin d'œil quand même cette dernière journée avec un petit couette-couette sur l'une des voitures. Après, maison de la peur, je pense qu'elle avait peut-être un peu fait son temps. Mais par contre, on va vers un des personnages emblématiques de peur sur le parc, monsieur avec la tronçonneuse, donc voilà. Foire aux citrouilles, c'est un peu plus récent, peut-être je me suis pas encore assez attaché. Donc on verra ce que le parc nous propose, mais bon, j'imagine qu'avec toute la place qu'ils ont, ils vont nous faire quelque chose de très sympa. Ok, merci. Et maintenant, sans plus attendre, découvrons ensemble le royaume de la foire aux citrouilles. Les gars, trois. Voici la cage boulangrole qui aura le temps de participer à la pétanque la plus déjantée de l'histoire. Hein? Qui? Quoi? Toi peut-être? Toi non, pas toi. Vous gagnez. Il faut jouer. Et pour jouer, il faut entrer dans la partie, les petits enfants. Oui. Bon, vous savez, hein, mais c'est pour eux. Alors, vous devez envoyer vos boules le plus loin possible sous la grille et la faire atterrir dans un des trous. Plus le trou est loin, plus vous engrangez de points. Mais attention, attention les petits enfants, attention, le temps est limité. Respectez le compte à rebours, sinon, point de points. Et au bout du bout, un abominable cadeau, une surprise éclatante, une récompense scélérate. Oh, ici, messieurs, dames, question de cadeau, c'est pas Halloween, non, 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 c'est carrément Noël. À vous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, descends du Papa Noël. Au plus profond de vous, à vos bouts de paix, lancez! Allez, vite, à la main, si je te mords, on va voir si tu vas chialer. Top, 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 top. L'heure est venue de faire les comptes. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ça n'a rien à foutre ici, ça. Alors, le grand jury composé d'un membre éminent et unique. Moi, va délibérer. Ça, c'est bien, ça. T'es content, t'es fier de toi? Mais souris alors. Voilà, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pourri. Voilà, ça, c'est bien. Qu'est-ce que t'as fait, petit? T'as essayé, mais t'es pas arrivé, par contre. Hein? T'as pas réussi, c'est pourri, ce que tu fais. Ça, c'est pourri. Et ça, aussi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pourri aussi, madame? Pourtant, vous êtes plus grand que le... Non? C'est pourri! J'ai fait mieux! Ouais! Bon. C'est pas proportionnel à l'âge, hein, parce que... Hein? Bon! Moi! Suffit!
Je désigne donc le grand gagnant. Celui qui s'est montré le plus exécrable. Avec le score le plus pitoyable. Un bouffon. Au pays des bouffons. Toi, petit. Toi. Toi. Ne faut pas détonner, regarde, c'est pourri ce que t'as fait. Comment ça, c'est là-bas? Là-bas, c'est cassé. Il a rien compris, celui-là. Tu m'as écouté ou pas? T'as compris les règles ou pas? Moi, je suis pas sûr. Allez, viens là, petit. Calme-toi, reste là. Quel est ton petit nom? On s'en fout! Je récapitule, messieurs, dames. Précision, zéro! Adresse, zéro! Concentration, thank you.
Gros mot, les balles. Les balles. Les balles, je te dis. Dépêche-toi. Voilà. Allez. Les lèvres, petites chaussons simples. Pour faire avancer votre cheval, vous devez lancer votre balle le plus loin possible en la faisant. Plus la balle sera loin dans le cercle rouge, et plus le cheval avancera vite. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. De mon côté, est-ce que vous êtes plus prêts? Ouais. Et de mon côté, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Et vos enfants, est-ce que vous êtes prêts? Voyons pas donc. Nous, comme nous sommes des forains, on est des enfants de la balle. Mais toi, une enfant de la ville. Chose promise, chose due. Tartac, peut-être qu'on voit pour que je le premier. Mais il n'y a qu'une seule parole. Wesh. De galant. Alors, est-ce que tu as une idée du tien? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Une peluche. Une peluche. Une peluche. Un tonton. Ah bah encore moi, encore moi. Dommage. Alors, pour toi ma championne, une peluche. Une énorme peluche. Une peluche, mange un homme. Comment? La cage. La cage. Ils vont s'enfuir. Vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout le plus important, je le dis à tous hein, si vous êtes intéressé pour tout ce qui est parc de loisirs, c'est très simple hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à parler de LMB Dynamique à votre entourage et je vous dis à la prochaine pour vous faire découvrir de nouvelles choses au parc Astérix. C'était El Mickaël Burlet pour vous servir, je vous dis à très bientôt, ciao.